Et puis, dans vendredi soir, que nous étions informés que l'ex une station et Jérémie, qui a pas de problème. Il y a des armes, des tirés, des battements, qui ont des témoignages, des qui ont et qui voyagé, tout ça. Nous étions informés nous, de ça, nous étions fait part de ça. Et nous étions en train de côté où aller. Débarqué sur l'aide depuis 3 heures du matin, nous avons vu les négociations parce que l'information de gain est une machine à appliquer à 1 heure du matin. Finalement, nous avons fini par intercepter les négociations, ça a été le d'Aquin. Nous avons arrêté les négociations et nous avons fait un espace par nous avec nous, nous avons posé des questions. Nous avons tout ça qui est en dedans de notre pays. Maintenant, nous choisissons d'entrer dans les négociations pour que ça y ait une Miragouane. Et c'est ça qui fait que les négociations choisi de dénoncer quelques mondes. Et puis, pour être avec les armes, les capteurs de l'Union Chevalier, et on s'est casé tout. Mais ça a dénoncé, on a fait un pile de révélations sur ce qui était pour la police avec Paquet Miagouane. Alors, on parle de révélations, est-ce qu'on a cité le gouvernement pour nous avoir dit. Pas au pays, c'est le Mais sauf que non, ça a eu, on a calmé nous, du moment opportun, on a agi sur nous. Sensible? Et il n'y a pas tellement sensible, parce que c'est des anciennes autorités, ensuite des personnes, des délégués de la capitale, de la finance, on a fait des armes. Et sous garde dans le téléphone, moi j'ai une qui dit une qui trouve l'autre. Effacez tout message à toute vidéo photo que vous gagnez sur le téléphone. Donc, sauf que monsieur t'es oublié. Fait ça. T'es oublié d'effacer le message ça et vous allez aller. Et là, mal garde sous garde, monsieur m'a une image, par une audio. Ok? Donc type ça a mais nous, la bonne question SDPJ. Et SDPJ que vous voyez monsieur là, au moins, d'ici lundi ou mardi. Donc, pour ça qui vient avec M. Kenzia, lui-même, donc, n'a qu'il point de ce salaire, je fais une connaissance. Nous sommes M. Adé à cabinet de décision, ce sont criminels non droits organisés. Nous avons des témoignages contre M. des gens qui ont été kidnappés, qui ont été menés dans le village, des gens qui ont été occupés dans le village. M. Adé a dit oui, c'est ça, l'air de kidnapper, c'est M. qui devait être le bagarre, moi, tel bagarre, moi, tel bagarre, moi. Mon grand chauffeur camion qui dépose contre M. Adé. Il dit, on a une machine de même. C'est qu'un dit qu'il est monté à vos machines. Ça, vos armes de même, il prenait ce chauffeur du village. Finalement, le chauffeur a été obligé d'entrer dans le village. Il paye machine de ça, il paye pile d'argent pour le chauffeur, il paye pile d'argent pour la machine de ça. Donc, c'était qu'un dit ça même qui était fait la chose. Alors, maintenant que le compte de, par exemple, le commissaire fiscal est actif, est-ce qu'il a contrôlé, par exemple, par semaine, combien d'arrestations faites? Est-ce que nous avons parlé de. Malheureusement, des bandits, la police a utilisé les gens comme ça, qui blessent mentalement. La majorité des gens qui nous arrêtent, c'est des bandits, le voir. Des vacances, des voyous. Quand tu as un monde qui a fait des infractions, des problèmes, nous ne pouvons pas intervenir. C'est la police qui nous met. Mais quand tu as des bandits, assassins, criminels, ça c'est pour nous pas. On charge une responsabilité pour quel que soit votre négligé ou poursuivre les négligés. Et ceci, nous ne sommes pas capables de traverser les plans, nous ne sommes pas capables de loger dans les plans. Nous traversons, c'est pour malheur, nous devons loger, c'est pour malheur. Alors, pas seulement pour l'arrestation, commissaire à café comme ça. Et je ne pas compter. Sauf que moi, dans l'arrière, mon staff est pour Jam, capé de mourir, mon staff est SDPJ, capé de mourir. 24 sur 24, nous dans l'arrière, quand ça a dépassé les groupes, nous avons dit que nous avons dépassé, nous avons pas vu les groupes à l'école, nous avons dit que chef de mon ouest, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que ça pouvait faire. Donc, il y a des amis, il y a des populations, il y a des diaspora, il y a des commerçants, il y a des arrivés. Et une partie de l'église vient de loger dans les plans. Si vous regardez bien, vous voyez les plans. Les chefs, vous mettez à l'aise, les patrimoines, les hommes d'affaires à l'aise, pas de kidnapping, pas de meurtre, pas de braquage, pas de vol à main armée, vous équipez des factions qui peuvent arriver dans les plans. Même cas de viol, vous mal vous mettez ça. Les nègres, la fin de l'église, non, les bonhommes qui arrivent sur lui, et ma première chose. Comme ça, il y a un peu de monde qui a parlé de ça. Étant donné que Miragouane, ce côté qui est arrivé, c'est déjà pas de guerre trop civile armée illégale. C'est ça qui facilite à ce que les interventions qu'on fait, et même qualifier, c'est des interventions strictes. Ça qui nous se pose, c'est pas quelque monde qui vient de nous. Mais, j'ai toujours dit, tout à part le défi d'une porte-presse, dans 5, 10, 15, 20 jours, ou après, il m'a dit après temps, en fin d'année, le commissaire. Vous répondez comme ça? Même mal, là. Et sécurité au pays, ce n'est pas la police qui fait elle, ni l'armée, c'est le service d'intelligence. Tout ce que ça va faire là, c'est parce que des gens qui ont donné des données, qui ont donné des informations. Ok? Et là, on a des armes, on a théorisé la population. Si, pas grand monde qui a dans les oreilles, directeur de la police, qui va dans les oreilles, qui dit tel côté, on a des armes, on a théorisé la population, la police est capable de se faire ça chaque jour. Il y a un policier qui m'a dit.
Donc c'est ça qui est déjà, c'est qui travail. Donc mon gars des nèg dans tout coin et coin. Quand tu aller au gars chargé nèg. En bas la ville pour vous, chargé nèg. Donc pour quand vous faire pour quand vous font kidnapper, quand vous tuer mon moyen là. On continue vivre dans votre ouest. Mais je vais traverser les blancs. Je m'ai bien formé. Je m'ai connu dans qui machine. Je m'ai connu qui coule les rats qui sont où. Je m'ai connu qui moto. Je m'ai fini par arrêter. Je m'ai fini par intercepter. Et si je suis un boss déclaré, je suis un boss de droit, je ne vais pas rentrer dans le commissariat. Non, pas de tasse pour le commissariat. Pas de prison pour le commissariat. Toutes les boîtes dans la prison. Mais il y a aussi des nègres qui font un petit cas de viol. Les gens qui volent, les gens qui battent le jury, les gens qui font un garçon. Mais quand tu as un bandit, assassin et criminel, tu ne peux pas rentrer dans le commissariat avec nous. Tu ne peux pas rentrer dans le commissariat avec nous. Il faut que les gens aient payé en chasse. Je dis à Port-au-Prince, gang de net, tout le monde a Port-au-Prince, on ne peut pas vivre. On ne peut pas prendre grâce, on ne peut pas quitter grâce de là, on ne peut pas vivre. Pour quelle que soit la raison. Alors, il dit que on va avoir un résultat qui est similaire de Niagouane à Port-au-Prince par le fait que la majorité côté nous vient de nous parler. Contrairement à ici, là, là, je dis à la majorité de l'époque qui a évolué pour le Prince et de l'équipe qui a évolué ici. Nous chassions et il y a tombé dans le Prince. Il y a fait kidnapping, il y a tué, il y a volé. Donc, quel chef pour le Prince prend responsabilité pour marcher les armes en face de l'extérieur parce que l'extérieur des armes qui a tué la population. C'est responsabilité pour moi. C'est armes pour gagner dans ce qu'on fait. Il faut avoir un grand coup pour capter vous-même avec eux. Regardez tout le monde dans le Prince. Donc, regardez vous-même qui n'a comme si réalité Port-au-Prince là et le commissaire gouvernement Port-au-Prince. Regardez tout là dans le Port-au-Prince. Le commissaire gouvernement va suffire. Il faut aligner la police avec lui, il faut qu'il y ait des agents et secrets qui a fait un cap balance, un cap d'information. Moi-même, côté que je suis là, hier matin, je parle à Port-au-Prince, je dis qu'il y a deux types de cap de la galère. Le commissaire, il n'y a pas de policier dans le milieu, chaque année, il y a un bon chambre. Mais on joue bien chaque passé privé là. Et moi, je connais qui boit dans la dame habité, je connais dans la zone. Mais sauf que, et pas une possibilité de mal faire avec ça. Donc, avec ça, c'est pas une opération pour faire avec vous. Deux nègres habitent dans le quartier, ne pas jamais de policiers. Du moment où vous portez, vous avez des passé devant vous, telle machine passé devant vous. Je souhaite ce matin, vous avez avec vous. Donc, avec ça, qui ça fait dans la rue? Vous faites 3-4 jours, vous avez fait sortir, vous avez chuté dans le basic, vous avez calé le basic. Au gros matin, vous avez passé devant vous, et puis vous avez pris un ami, vous avez pris la rue. Ça, avec ça, qui ça fait? Avec ça, vous avez une opération pour vous. Avec ça, vous avez 5 policiers en civil. Il y a toujours une absence de chauffeur, toi dégagé à faire mission sur l'examen. Et puis là, ça, avec le temps, on va finir par éradiquer tout ce qui est dans le monde. Je dis à mes bandes que tout chat de guerre qui est dans le pays, qui est dans le monde. Vous ne pouvez pas capable d'éradiquer les gens, parce que vous ne pouvez pas voir les gens. C'est antenne et information pour les gens. Alors, hier soir, malheureusement, le commissariat projet la bandi, Boumir, qui a vous autour de ça. Bon, ça, avant même que nous avons boulé le commissariat, et la police est supposée être informée, c'est le dégât d'antenne. Mais même pas de capacité de la baronne. C'est difficile de la baronne. Si vous le passez, vous ne connaissez pas, ça peut arriver, le téléphone va être fermé. Mais depuis le téléphone, nous avons été informés. Il n'y a pas un côté dans le pays, on est capable de chiter à 4-5 pour réunir nous-mêmes pour nous bagarrer l'information.